Xbox Actu, la chaîne des Let's Play. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte express avec Gun Gore and Cannoli. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est un jeu un peu à la Metal Slug pour les plus anciens d'entre vous. Donc on va voir ça tout de suite. Alors je fais ça comme d'habitude, n'oubliez pas hein, partager, liker, commenter. L'objectif de la chaîne YouTube maintenant, bon sauf pour ceux qui sont sur Twitch, Twitch c'est 1500 et YouTube c'est 850. Allez, on arrête de papoter et on joue. Alors mode joueur contre joueur, non pas du tout, on va mettre nouvelle partie. On va aller voir dans les réglages. Dit support commande, qu'est-ce qu'il y a dans les réglages? Les sous-titres on les laisse, la musique tout ça on laisse. Les commandes, c'est quoi un 10? D'accord. On va se mettre en normal, on va voir comment ça fonctionne. Donc on peut jouer que 4 joueurs en coop. Bon, ça va être une découverte un peu express, on va pas passer 2 heures dessus, hein, parce que je vais vous présenter le premier, le deuxième également lors d'un autre live, donc comme ça, ça vous fera deux nouvelles découvertes sur la chaîne. The 1920s, the prohibition years, violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinnie Cannoli. And I make an honest living as an enforcer for the mob. But it ain't all fun and games, of course. One time I got a call from a mob boss called Mr. Belluccio. He needed me to come to Thugtown and find some guy named Frank. My name is Mr. Belluccio. Thugtown. There was something wrong with this city. Strange reports had been coming in about bizarre incidents and gruesome murder cases. Violent rioters had overrun entire areas inside the city, and it seemed the officials had lost all control. It's been days now since the last contact. But nevertheless, I had a job to do. So here I was, about to step in a freaking nightmare. Captain speaking. We've just arrived at Thugtown Harbor. Please stay in your cabins until we're fully docked and the bridges have been lowered. Hey, Commander, who are all those people on shore? I don't know, sir, but hey, they're running up to the bridge. They're attacking the sailors. They're invading the ship. Oh, they're everywhere. Take that, you chunk-faced goons. Take out what the duck wars. Chunk-faced goons? What's going on up there? Allez! Donc je précise, hein, j'ai jamais joué au jeu. Ooh, that made a hole. Freaking lunatics! Keep the change, you filthy animal! Oh.
Bon, les munitions sont infinies apparemment, hein. An arm and a leg, and a head. Come to the party! Comment il a pu me mettre une balle? Selling lead by the kilo nowadays. That's some good cannoli. Live with them, can't kill them, but by God, I'll try. Ow! Wow, c'est un spécial. Vais-je mourir? Vais-je être fidèle à mes traditions? Ah, j'aurais dû lui tirer dessus avant. Il était bête. Ah, il y a un truc là-haut. Thompson. Oh, I'm sorry. I thought the safety was on. That's some good cannoli. Mm.
that made a hole. C'était chaud, c'était tendu. C'était tendu. Here is a failure to communicate. Mmm, that's some good cannoli. You see that? Quand ça va pas, on y va à la grue. Oh, j'ai sauté, pourquoi? Die, you freaking bastards! Bon, il faut pas traduire ce qu'il vient de dire. Elle va se calmer. Ah, lancer cocktail Molotov. C'est pas mal. Thank you.
that made a hole. Yes. Ça me donne les mines en tout cas. In goes the hot lead, out goes your guts. Elle en brûle, les gars. Voilà, calme ça. Wow. Whoa. Look what you did. There's blood everywhere. Peut-être que ça joue un petit peu plus loin, non? Ah, il fait le... Et son chien. Oh, le rugbyman. Oh. Whoa, 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 whoa. Hey, you still look pretty good. Here's the next one for you. Whoa, whoa, whoa. Je sens que je vais mourir. Wow, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud, j'ai eu chaud. J'avais dit quoi? Je sentais que j'allais mourir, hein. C'est bien ce que j'avais dit. Hein. En fait, j'ai très bien senti. Ah. On va se mettre un peu de balles. On va prendre une arme un petit peu plus forte. Safety was on. Tu m'as raté, tu m'as raté. Ouf. Oh, oh, il m'a touché. Ils sont costauds, hein. Voilà, exactement, barbecue, poteau. Thank you.
Je rechargeais. Voilà, ça en fait deux de moins. Il est en train de brûler. Parfait ça. Stop screaming like a girl and take it like a man. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser, de trop utiliser mes grosses balles. Surtout pour eux. Je peux pas aller là? Non, je peux pas. Vous m'attendez. Madame, voyons, calmez-vous. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Wow. Calmos Ramos. Il faudrait peut-être un petit peu de vie, ce serait pas mal. Et là, je vais récupérer ça, c'est déjà bien. Je l'aurais pas encore mis. Eh, ils sont sérieux? Oh. Hey, pal! Up here! Could you just help me out here a second and get rid of these guys for me? My butt's starting to hurt. Beat it, you punks! Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que tu peux me faire tout le monde là. Hey, pal! Up here! Could you just help me out here a second and get rid of these guys for me? My butt's starting to hurt. Voilà! J'ai réussi à sauver le monsieur. Dimension! But who are you? And what the hell is going on here? I haven't even set one foot ashore and they try to bite it off! I hear you, pal. I've been stuck up here for days now. My name's Rusty. All I know is people all over town started turning into friggin' zombies after St. Patty's a couple of days ago. Before we knew it, the whole town was overrun. The only thing holding out is the gangsters, you know, armed to the teeth and all. Yeah, you picked a hell of a time to pay us a visit, I can tell you that. Yeah, well, I ain't here for the architecture. My name's Vinny Cannoli, and I'm looking for a guy called Frankie the Fly. Perhaps you've heard of him. Oh, yeah. Frank. Always in trouble, that kid. What are you looking for him for? I gotta find him and take him straight to the big boss of the Baluccios. The Baluccios? You're on the wrong side of town, pal. Their turf is on the north side of the river that cuts Thugville in half. You want my advice? Get the hell out while you still have a pair of legs to do so. Can't do that. They pay me a lot of dough to get him there without so much as a scratch. So I guess he's got to be pretty important to them. And that makes him important to me. So can you get me to him or not? I think I know where he is. But it's too dangerous out here to talk now. Meet me at the pawn shop at the end of the harbor. It ain't far from here. We'll talk there. Alors, allez, on continue. Join the mafia, meet interesting people, then whack 'em.
cool. On les a. Oh. One more down. 30 million to go. I don't have to clean this mess up. Alors, on va aller de l'autre côté, non? Voilà. Bon, je m'en sors plutôt pas mal, hein. Hmm, that's some good cannoli. Hey, look, it's Napoleon blown apart. Et ils étaient chauds, hein. Je vais prendre une arme un petit peu plus voilà. Wow, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ah, j'ai fait une grosse bêtise. Je vais mourir. Ah bah ouais. Ah, j'ai pas regardé en bas. J'ai pas regardé en bas. Il faut que je descende et il faut que là, il faut que je balance de la grenade à gogo là. Die, you freaking bastards! Je vais les laisser un peu. Ah.
Allez, eux, tête, tête. Vous m'agacez, les gars, non? Fais attention parce que ouais eux, ils pètent. I'm selling lead by the kilo nowadays. Joli enchaînement, joli enchaînement. Avons-le. On change d'arme. On change d'arme et voilà. Et bon. When in doubt, just blow the crap out of it. Le jeu est vraiment sympa, je trouve. M'avoir encore une fois. Il meurt pas. Oh, ils étaient costauds. Hein. Hey, salut mon Terry, comment tu vas? Ce midi, je pourrais être là sur le breakplay. Ce midi, je pourrais enfin être là sur le breakplay. C'est un jeu, je pense. Ça, c'est le genre de jeu qui te plaise, Terry. Oui, samedi quand vous enregistrez l'émission, samedi quand vous enregistrez l'émission, normalement je pourrais être présent aussi. J'essaie de prévoir à chaque fois en fonction d'eux. Là j'ai été pas mal pris. Non, le jeu il est sympa et t'as une Xbox je crois et en ce moment il est à 2,49€ le 1 et je crois que tu peux avoir les deux pour 5€, 5 ou 6€. Malheureusement des maths mais. Hiding. They got a joint right in the center of town.
Real classy place. Ouais, voilà, bah, il est à 2 euros. T'as les 2 pour 6 euros, je crois. Le 1 et le 2 pour 6 euros. Et on peut jouer jusqu'à 4 en coop. Crawling with zombies out there. And the Boninos got ghosts all over town. So what am I? A nobody? I can take a couple ouais, bah moi aussi, moi j'ai la blinde, mais tu sais, vu que je vais essayer de proposer plein de trucs. Whatever you say, pal. Good luck out. Comme ça, au moins, tu es sur ma chaîne, comme je t'ai dit, sur ma chaîne, t'as vu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Bah, si tu veux voir des let's play de petits jeux indés, bah toi, à 2 euros ou des gros jeux, t'as vraiment de tout, quoi. Ah ouais, non, elle a l'air d'accord. Ah mais moi si tu savais le retard que j'ai que le problème dans notre bloc tu l'as vu, moi je propose beaucoup de choses, j'essaie de proposer un maximum de jeux différents et je dois avoir honnêtement je dois en avoir plus de 100. Bah voilà, bienvenue, je crois que Terry on est dans le même monde hein. Ou des fois, bah t'as vu là, il y a eu des belles offres encore une fois chez Just4Games avec les soldes. Bah voilà, j'ai acheté des jeux que... J'ai acheté des jeux que je n'ai même pas lancés et que je lancerai peut-être jamais ou... En tout cas, pas dans les mois à venir. Il y avait de belles offres alors... Ouais, on abuse totalement. Tu sais, moi... Moi, ma femme est tout là, elle est tout le temps en train de me dire pourquoi tu continues d'acheter, t'as vu tout ce que t'as en fait, termine d'abord ce que t'as. Et je lui dis oui mais bon regarde toi là l'offre c'est pas cher et ben il me le faut pour la collecte il me faut pour la collecte et pour les streams aussi donc Et après elle regarde la collection puis elle dit elle me dit vas-y montre-moi un peu ce que t'as fini, ce que t'as pas fini. Je dis mais non mais ça c'est un détail, ça marche pas comme ça. Si on commence à s'arrêter au jeu qu'on a fini, Bon, après, c'est ma passion, hein. Ouais, voilà, des héritages pour les enfants. Bah oui, c'est exactement ça. Non, puis après, bah voilà, moi, c'est ma passion. Je passe pas mes journées dans les bars. Pas stigmatisé, mais je veux dire, je suis pas tout le temps en vadrouille à sortir. Vraiment, voilà quoi. Bon, bien entendu, tu te doutes que je me prends... ta vadrouille, elle coûte cher, hein, mais... ta passion, elle coûte cher. Et après, alors, j'ai une ligne de défense imparable. Ouais bah ouais, c'est pareil. Toi moi je suis pas à vouloir des fringues à watt 1000 balles, tout ça. Et je me dis bah voilà. Il y a des gens qui mettent. Il y a des gens qui mettent des milliers d'euros dans leur voiture, dans tout ça. De toute façon, je dis pas que j'ai pas de vie sociale, hein. Mais, loin de là. Mais on se fait des restos, on se fait tout ça. Hein. On a quand même une vie personnelle en dehors du jeu vidéo. Mais moi, ouais, donc je disais, j'ai une technique imparable, c'est que je dis, quoi ?
Pendant que je suis en train de jouer, je suis à la maison, donc tu sais où je suis. Ça, c'est ça. Ça, c'est un argument. Ça, c'est l'argument numéro 1, ça. Fiston, il va bien, Terry? L'école est terminée là? Moi, le mien, c'était. C'était deux jours de brevet. Donc, forcément, deux jours de stress. Ouais, je pense que ça a été. Bon, après, en général, quand on bosse à l'année, c'est alors, c'est une formalité, on va dire. De la Thompson quand même. Par contre, niveau vie, ce sont des rats. Oh non! Je viens de tomber dans le feu. Ouais, pour lui, ça a roulé. Peut-être un petit foirage ou deux, mais bon, après, c'est que le brevet des collèges, c'est pas non plus, c'est pas le diplôme le plus important. Faut l'avoir, mais c'est pas non plus le. Oh. Et les balles, ça part vite. Hein. Ah le pompe. J'adore le stop que met le pompe à chaque fois dans les jeux. Là, ça passe. Ouais, en tout cas, et c'est sur quoi alors ton break play ce midi? Ils sont les espèces de petits nains de la Saint-Patrick, toi. Bah écoute, ah bah ça va pas tarder ça. Ouais, tu vas bientôt, c'est midi et demi hein. De toute façon je passerai hein, je viendrai, je serai présent désolé j'ai pas pu, j'avoue que ces derniers temps j'ai pas pu être très présent. Après j'étais pas mal sur YouTube par rapport à Luigi's Mansion 2 et j'ai de la forte demande, je veux dire, alors je suis super content, hein. j'ai gagné 37 abonnés, non 47 abonnés sur YouTube en 3 jours, donc il y a une demande, donc je reste. Bon, après surtout tu sais que j'aime venir sur tes lives et ceux de Maximum Entertainment, forcément Just for Games. Oh,
Bon alors ne pas sauter dans le feu comme tout à l'heure. Doesn't anybody stay dead anymore? Écoutez madame, vous commencez à me courir sur le haricot. Bah c'est normal, bah tu sais Terry, franchement, alors déjà, bah bon, on se connaît pas perso, mais depuis le temps qu'on se parle, tu sais que moi je suis dans le soutien. Moi je suis dans le soutien. Et si on peut soutenir tout en appréciant le contenu, bah c'est. Tout le monde est gagnant en fait. Moi je trouve que voilà, tes lives ils sont super top. Moi j'aime bien. Et c'est de l'entraide. C'est de l'entraide. C'est important. Honnêtement, qu'est-ce que ça nous coûte? Welcome to the party. Moi ça me coûte rien de dire que. Ça me coûte rien de dire que ta chaîne est vraiment sympa, surtout que c'est vrai. Et puis bah toi si ça peut te permettre de gagner un ou deux abonnés, deux, trois. Bah moi je suis super content en fait. You'll never take sides against the family again, that's for sure. Et c'est ce que je dis aussi à chaque fois sur ma live, tu sais, c'est pour les grands, alors quand je dis les youtubeurs ou les gros twitchers, hein, tu sais, ceux qui ont 4, 5, 6 000, 10 000 personnes sur leur live, prendre un abonné, honnêtement, bah ils s'en moquent. Ça, c'est pas ça qui va changer leur vie. Mais nous, quand on prend un ou deux abonnés, On est ultra content, donc Ah va me suivre. Elle tombe. Voilà, merci madame. Ah, mais je suis trompé de côté. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que c'est. Je m'étais trompé de côté. Je peux descendre. J'étais un peu tourné, non, ce que j'ai fait. Die, you freaking bastards. Voilà, ça c'est fait. Bonjour madame. Allez, recule. Allez, au revoir madame. Oh, et je trouve. Moi je trouve la DA excellente dans ce jeu parce que la façon dont ils ont de mettre des boucliers. De nous faire comprendre que les gars ont des boucliers. Alors mais les pancartes. Oh, I'm sorry, I thought the safety was on. Allez, viens.
Ah, j'ai repris de la vie. Ah, brûle mon ami, brûle. Oh, il m'en a mis une belle dans la tête là. Don't quit your day job. Ah, heureusement que je suis équipé de fusée à pompe parce que. Oh là là, il m'a mis une grenade. Oh non, je me suis fait tuer ridiculement, de façon ridicule. Oh non, non, non. Il y en a qui résistent un petit peu plus que d'autres quand même, j'ai l'impression. Brings a baseball bat to a gunfight. J'ai failli remourir. Ah bah moi aujourd'hui, il y a un truc dont je m'en fous totalement. Dans ma ville, il y a la flamme olympique aujourd'hui. Il y a la flamme olympique qui est chez nous. Mais ils ont quasiment annulé tous les événements parce que il fait tellement un grand soleil que... On va prendre le flingue pour être sûr. J'aime bien l'ambiance italienne. If you get
die, you're certain to walk in front of my gun! Mm, that's some good cannoli! Allez, voilà, ça part. Ah non, 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 je ne peux pas utiliser mes grosses armes sur les petits. Pourquoi il faut toujours que je recharge quand... Pourquoi il faut toujours que je recharge quand... Oh là 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 là. Ouh. Alors, j'espère que j'ai tué tout le monde ici. Stomp. Can't live with him, can't kill him. But by God, I'll try. Encore mort. Ah, c'est chaud. Mmh, that's some good cannoli. Volontairement. Ah, mais non. Mourez, mourez. C'est quand je suis comme ça avec la mitraillette, ça me fait penser à... Dans le Charlie Chocolaterie, là, il y a des jeunes qui font style, ils jouent aux vidéos. Bon, lui, c'est bon, il est mort, quoi. À mon avis, il y a un petit souci, là, parce que je veux pas mourir. Bon bah je vais encore mourir hein. Fidèle à moi-même. Allez, encore une petite mort. Mmh, that's some good cannoli. Bon les gars, je vous le dis, vous commencez à m'agacer. Hop, encore mort. Beat it, you punks.
Oh, j'ai eu chaud. Je sais pas, je crois que j'ai dû récupérer de la vie que je n'avais pas forcément prévu de récupérer. Et je pensais vraiment que là, c'était la fin pour moi. Lâchez-moi. Une nouvelle fois, les mêmes. Les mêmes. Pour pas qu'elle puisse venir me toucher, voilà. Ouais, hein, l'ambiance est cool, on est bien d'accord. Hein. Ah, merde. Et ouais, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le faire. Autant mourir. Alors ça, je vous mets au défi de pouvoir le faire, ça. Réussir à vous brûler avec votre propre cocktail Molotov. Tentez votre chance, hein. Oh, ça c'est super, toi je vais. Je vais m'arrêter à peu près au moment où toi tu vas rentrer en jeu. Reste là parce qu'il me reste de l'âge. Ah mais lui par contre. Vous m'agacez monsieur. De vous à moi, je vous le dis. Bon, j'ai mieux géré. Là. Je suis pas en train de foirer tout ce que j'ai pu faire avant quand même. J'oserais pas faire ça. Pas moi. Meurs madame, voilà, bien madame. Pas encore une fois mourir, c'est pas possible. Oh, j'ai sauvegardé, j'ai mangé. Ouf. Allez, ça meurt là. Quoi? Je crois que c'est un boss, non?
Oh non! Non, pas ça! That's some good canola! Je l'ai. Ah yes, j'ai réussi. Génial. Bah comme ça, toi, je vais pouvoir m'arrêter là parce qu'il se fait quand même midi 10. Ça me permettra de préparer le repas du fiston et. Et d'être présent sur le break pour le break play. Calme madame. Bon ça, ça des munitions elles sont en infini ici. Et tu vas peut-être me faire acheter un jeu du coup, encore une fois. J'en ai pas assez, il faut que tu me fasses acheter des jeux. On peut pas aller par là, donc on va là. Madame, voyons. Madame, elle est en colère parce que j'ai racheté trop de jeux. C'est la tête de madame, ça, c'est quand elle voit tout... Quand elle, je lui dis oh, j'ai reçu un colis Amazon ou j'ai reçu un colis Just for Game. Just for Game, ça lui pique un peu plus que. Qu'Amazon, parce qu'Amazon ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Oh, le lance-flamme. Donc, bah voilà, bah écoutez, on va se quitter sur un petit lance-flamme. Comme ça, vous aurez eu moyen de vous faire une bonne idée au moins du premier. Et je vous ferai le 2 sur ma chaîne, bien sûr. Et puis le replay est disponible comme d'habitude sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et me suivre dessus parce que vous avez plus de 1000 let's play différents. Il y a de la PS5, de la Nintendo Switch, de la Xbox Series, il y a de tout. Et je vais finir sur un magnifique DC de l'amour.
Je peux pas vous laisser sur une mort, c'est... Enfin, vous êtes tellement habitué à ce que je meurs, haha. Arrêtez votre striptease, madame. Ça commence à bien faire. Mais t'as vu, il est plein de bonnes idées, hein. Puis il est vraiment super propre, super clean. Tout ce que j'aime. A voir ce que donnera le 2. Allez, c'est bon, sinon je vais jamais m'arrêter. Et comme quoi, on est d'accord, hein, Terry, quand on a du mal à s'arrêter, c'est vraiment que c'est pas mal. Bon, bah voilà, bah écoutez, moi je vous dis donc à très très vite sur ma chaîne. Et pour les personnes qui sont présentes et les personnes qui passeront, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Terry Level Max et également la chaîne de Just for Games Maximum Entertainment. Il y a des break play le midi et là samedi prochain. Samedi, là on est le 3, 4, 5, samedi 6. Samedi 6 juillet, il y a l'enregistrement du podcast avec du coup Terry et TMDJV. C'est ça, si j'ai pas de bêtises, mon Terry. Et voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces en l'air. Enfin voilà, vous connaissez toujours les petits trucs. De toute façon, on est là pour le stream. Ce sont des streams de l'amour. TMDJC, j'avais raison. Ah, c'est bon. Ce sont des streams de l'amour, des streams de la passion. Et voilà, j'essaie de vous montrer un maximum de trucs. Allez, salut tout le monde. Et puis, bah, mon Terry, on se retrouve dans peu de temps sur ton live, du coup, sur la chaîne de Just for Games Maximum Entertainment.